tumaliza, jua inambeba na vitu. Bo, hawakusema kakitu. Mwendetu wa karibu akasema, hii ni nani ni? Banakia tuvamia hapa, banakia tuvamia na vitu vyetu, haimaanishi, hii haina maana. Akasema hii ni piaje, ndio mwenye alitilizaka. Alo, mwalimu katuambia, musiogope watoto yangu. Hawa ni wafari de seven, tu hawezi kufanya kitu. Sasa tutiaka vile mwona, sasa tukapua nguvu. Tukaelewa kama ni wenzetu hakuna kiwaneza kufanya. Sasa, sawa walimalizaka, sujuka sawa walimalizaka, tukatoka na wale wasoda wakakia wakatubeba sasa inje. Sasa tulifika inje, nikasikia wengine wamekuya, iko sale populasyon la mukaka, wakanya sema apana hawata iba mwalimu. Mwalimu wakawambia, muache watubebe. Haweta tufanya kitu, muache watubebe, hakuna kwenye watatubeba, hakuna kwenye watatufanya, muache watubebe. Bo, wakapandisha mwalimu mugari na wanamufunga. Apre kupandisha mwalimu mugari, nikaona tena kelke minute tena wanamushusha. Nikajuliza kama ni nini. Apre nikaona wamemufungula, ameenda karibu na de militaire ya wazungu. Nyoko nyaliende yaka, nyoko nyakiende ya kule. Sasa nilionaka ile evenement vile, nikaona sasa masasi inaanza ile sikujua kama imelia ae, juu niliona kama wasoda wanafaa recul, ndio wakaanza piga masasi, tena hawakuona zipiga yulu. Mie sasa ninaja sikia masasi, nikawaza banazipiga yulu juu tukimbie, vile ndio niliwazaka. Me nikaona wananya zitire hivi muvatu bila huruma. Alors, mie nilikuwa minafungiwa. Mwile kufungiwa, nikasema hapa ni kujisove na sijue kama nini ndio tatokee. Nikakimbia. Sasa nilikuwa niko nakimbia kuvuka tu hivi barabara ya Gutro, pale kusebeka kuvuka tu hivi barabara, nikasikia wamenipiga lisasi kutokea nyuma ikatokea mbele. Apre kunipiga vile, nikaona wamenipiga lisasi. Nikapanda kwa eskalator tena nikashuka. Kisha nikaenda nyuma ya ile batima nilikuwa pale kuangalia kama ndajisovea ae. Junisha pigiwa ilikuwa tunende kwa hospitali. Heureusement kwa kia bakaka wawili, bakanisaidia, bakanifungula kwanza ile kamba. Apre kunifungula njia bakanibeba kwa hospitali. Sasa nilivuka barabara, njo nikaona ule journaliste mwenzetu wa dada, yeye navalisha muua. Nikaona na mwingine iko karibu yake, naye analala pale, sijui kama alikuwa shakufa, paske nilionaka naye madamu ziko kuyeye, alors sikujuaka kama alishakufa. Mie nikaenda kwa hospital, bengine sijui kama viliendelea kae, njo ile tu. Unamaliza? Ndiyo. Batumrak walikufa. Combien de personnes sont mortes? Sina wakika ya. Combien de personnes sont mortes? Bo, sijue, siyakuwa na uhakika ya nombre yabo, siyajua kama ni bangapi balikufa. Me, ile usiku. Cette nuit là, justement, oui. Oui. Ile usiku. Mwa ile usiku, mie kumacho yangu niliona tu mmoja alikufaka. Apre kufika kwa hospitali, ndio wakaniambia kama bengine basita balibaua pale. Alors, mengine, sikujua kama ni bangapi balikufa, sijue kabisa. Alors, vous avez dit que l'on a tiré une balle derrière. Oui. La balle vous a atteint ou bien vous avez entendu une balle qui est passée. Est-ce que vous avez été touché par la balle? Bon, si kujuaka kama lipita sanga, mais l'on a tout d'amour n'a jamais chuka.
risasi ilikukamata? Ndiyo ilikamata na nimetoka kumatunzo hapa sasa hivi ya kufa pasman kidoni. Ilikamata fasika, ilingililia wapi na kutoka wapi? Ilingililia pa mkotea roho, Mungu akasaidia, sasa ilifika mwili ikatokea yule. Nyuma mbele, ilingililia nyuma, ilingililia mbele. Ilingililia nyuma. Mais aussi il y a ta côte na banganga waliniambia kama ilikuaruza kupumo John ilikuwa nafaa makrasha ya damu mais Mungu alisaidia nilishakuwa mzima na niko napata dawa ya kufanya matunzo vizuri. Est-ce que vous avez les preuves des soins? Est-ce que vous avez les makartasi ya muganga alikuandikia? Ndio, mais niliziacha kunyumba. Mais hapa ningali na bande yenye iko kabisa hapa na nyuma. Nyuma kwa bande na mbele kwa bande. Kwenye lingiliaka kuko bande na kwenye litokiaka na kuko bande. Na madawa ze walinipatia kwa hospitali nilikuwa nazo hapa juu ya kuko la kunywa asubuhi na magharibi alors nitoa kwa nyumba mbio ndio nisema ndakunyia huko dawa na niko tafuta kitu kidogo kutia mu estomac ndio maana. Ni hospitali gani? Ni kusebe kando shu. Vous avez dit que vous avez vu des blancs. Oui. Est-ce qu'ils avaient tiré? Bon, si on a un ami qu'on a tiré, capitaine, si on a un ami qui a été, Dieu sait qu'on a un ami qui a tiré pour nous tous les autres. Si on a un ami. Ministère public. Merci, monsieur le président. Bale basoda andora bale bazungu bale voilà kateni aligani. Oh, Dieu a tenu vraiment iko anipita musura. Si kupaka na précision ya kukamata rangi ya teni avo vraiment pale sina précision. Merci. OK. Avant de donner la parole à vos conseils, c'était à quelle heure? Bali. Il est fou, il est en train de me 3 heures moins. Mais Bali Ingiaka n'a échappé à ma 3 heures passées. Alors, Kushuka, si Kujuaka, comme ça, je ne sais pas si je vais montrer. Telefone zetu zilikuwa zishabakia mule na walisha zibeba alors sijue kama saa ilikuwaka aeju sikuwaka na monte sina uhakika wa saa. Me ya kuingia na mafujo zilianjaka na ma 3 heures moins na kuingia yavo ilikuwa ma 3 heures passées.
Kona, vous avez des enfants? Apa na sinam toto ngali fie kwetu. Oui, parti civil. Monsieur le Premier Président, nous faisons d'abord acter notre comparution, Maître Victor Irengue. Nous voudrions, Monsieur le Premier Président, faire observer à la Cour de séance que ce qui s'est passé cette nuit-là est gravissime et que ça appelle un traitement particulier. Nous aurions aimé, si la Cour en avait les moyens, que notre l'une des victimes qui comparaient aujourd'hui eût été assistée d'un psychologue, parce que les faits qu'elle est en train de revivre sont extrêmement douloureux. Mais cependant, Monsieur le Premier Président, voudrions que la Cour lui demande, lorsque elle était à l'étage et qu'elle a vu quelqu'un venir avec un revolver, était-il un blanc ou un noir, celui qui avait un revolver? Oui, la question sera posée, mais s'agissant de psychologue, la Cour avait requis une psychologue dans une affaire de crimes internationaux, dans un autre dossier. Monsieur le greffier citait la psychologue qui avait comparu dans le dossier dit PLK, qu'elle soit aux audiences de la Cour. Saisissez-la, qu'elle vienne toutes affaires cessantes. Alors, lorsque vous avez vu un militaire descendre avec un pistolet, un revolver, alikuwa mzungu ama mweusi? Alikuwa mweusi. Deuxième question, monsieur le président. Le militaire qui lui avait demandé de l'aider à tenir le bout d'étoffe pour le déchirer, parlait-il une langue congolaise ou une langue étrangère? Le militaire qui a arraché le pagne à votre camarade ou collègue ou à la dame qui était avec vous, avant de le déchirer pour vous ligoter, parlait-il une langue qui vous est étrangère ou il parlait une langue congolaise? Il parlait une langue congolaise, lingala. Monsieur le Premier Président, il est vrai que le traumatisme est important. Voilà pourquoi la partie civile vous dit qu'elle a du mal à identifier la tenue des hommes qui étaient là. Mais j'aurais aimé que la Cour lui demande, puisque dans cette salle, il y a plusieurs uniformes de l'armée congolaise, peut-elle se souvenir, même dans des souvenirs lointains, en regardant tous ceux qui sont devant elle? Et la Cour voulait savoir de mademoiselle les témoins PC, partie civile 002. Une question de curiosité. Est-ce que pendant que ces gens arrachaient le matériel de la radio et qu'on sort, est-ce qu'ils n'avaient pas coupé le courant? Non.
question? Les partis civils ont fini. La défense. Merci beaucoup, Votre Honneur, pour la parole. Votre Honneur, d'entrée des jeux, vous avez eu à relever que pareille question sera corrective. Effectivement, Votre Honneur, pareille question ne sera pas corruptive, mais elle est corruptive. Elle est corruptive, Votre Honneur, dans la mesure notamment où ils sont déférés par devant votre auguste cour pour des crimes leur reprochés. Et j'ai aimé, Votre Honneur, la dernière question que le rapporteur et honorable membre de cette cour a y a posée en rapport avec l'éclairage. Votre Honneur, le temps que ces assaillants, entre guillemets, ont eu à passer en ces lieux, on aurait pu, et avec facilité, détecter la nature ou la couleur de ces tenues. Mais lorsque le témoin, dans sa sincérité, Votre Honneur, vous fait voir que je ne sais pas mes souvenirs, je ne sais pas préciser la nature de cette tenue, Votre Honneur, poser pareille question, c'est forcer la question dans le sens, Votre Honneur, de la corruption. Nous avons dit, et nous osons croire que les dernières réponses données par la partie 002, par les témoins 002, la Cour, Votre Honneur, n'en tiendra pas compte dès lors qu'elle a eu à prendre position pour dire que pareille question sera corruptive. Nous avons dit. La Cour vous remercie. C'est tout ce qu'il y a comme réaction. La Cour vous remercie. Prévenez, Mikombe, comment réagissez-vous? Monsieur le Président, j'ai dit ceci, que vous comprendrez que comme nous sommes devant vous, que ferez devant vous, il n'y a pas autre mot que les témoins viendront dire ici à part la date limitée. Là, vous pouvez acter, je vais vous demander d'acter ça, parce que nous sommes devant vous, il n'y a pas notre tenue qui est devant vous, et dans le langue de témoins qui passent devant vous, on met là-dedans les mots garde républicaine. Bon, ça ne nous gêne pas. On comprend le jeu. On évolue, monsieur le président. La Cour vous remercie. J'insiste en disant que s'il y a des témoins dans la salle, parmi l'assistance, veuillez vous manifester, venez devant pour témoigner. Oui, prévenu. Bah oui, votre réaction. Je n'ai pas de réaction, Président. La Cour vous remercie. Bienvenue Kabamba, Idriss Kaboula, Olobini. Mon colonel, on a une difficulté à suivre. Bilou quoi Zoulouba, on a souhaité battre le monde. Monsieur l'interprète, vous connaissez le Lingala? Qu'est-ce que vous pouvez traduire? Vous pouvez interpréter en lingala ce qu'a dit la partie civile. Alobi Boye, est-ce que ça peut aller? Oui, la quip c'est l'autre alobi. Kitoko. Donc, moi, alobi qui a co-identifié bien tes moutons et a bêta qui est massassi, mais babeta qui est massassi n'a sima. Et ça batou, oh, et bafan de l'ibo sauté, oh, donc t'es balo. Et ça marque à tenir par contre, mais ils ont eu un amour tout bien.
pandaki ye babetaki masasi ekotelaki sima et meri liboso yo olobini na eloko oyo ye alobi ezaka wana tete baponzaki biloko bia radio ba memaki pe biloko ya radio yo eske na likambo oyo ye alobi yo olobini nazala idete mokolone na bakambo ya alobi zenoki nide mokolone. Oui, c'est Amita, Daniel, pour le béni. Il n'y a rien à dire, chef. Bye, bye. Pour le béni. Pour le béni. Pour le béni. Pour le béni. Pe ba beta ki va topi gogo ba kanga ki bango ba singa ba commande pe amona ki ba soda Nicolas Bandaku pe tangwaza kokima ba bete masasi na sima e kote na sa pe bimi liboso ezaki na babutu wana mo konel mwana pe sata ide esati na likambo mwaye ke je don l'idée na répondre à cette affaire. D'accord, vous remercie. Il reste Moussomboa. Bon, colonel. Il est sur le Baki, pour le Bénin. Bon, colonel, il y a un peu pour le Bénin. Il y a un peu pour le Kodo. Bon, il y a un peu pour le Bénin. Gendega marche souka. Oui, la République. Évidemment, vous avez. Merci beaucoup, votre honneur. Nous avons suivi les déclarations du témoin MP MC00D avec tout intérêt. Et à l'instar, nous voulons juste poser deux ou trois petites questions, questions de précision, votre honneur. Nous voulons savoir, votre honneur, si le témoin PC00D peut nous expliquer, puisqu'il a dit les biens ont été emportés, mais on ne sait pas s'ils étaient embarqués ou précisément. Si elle peut nous aider à nous dire, lorsque le militaire faisait sortir les matériaux de la radio, il amenait